Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où c'est qu'on va recommencer de 3 au complet. Mettre ça se pause. Parce que, en fait, j'ai fini le jeu que j'avais commencé là, précédemment. Parce que j'avais fait de la merde carrément. Personne m'aimait. Puis, je vais vous puncher là. Tout le monde meurt à la fin, comment je l'avais fait. Fait qu'on va essayer de refaire pour que ça finisse meilleur. Puis là, vraiment, toutes les vidéos, vous allez les voir. Il n'y a pas de « je vais faire une petite partie en solo ». Tout le jeu, vous allez le voir. Je vais jouer juste attendre que j'aille me coucher. Puis demain, on va reprendre. Puis on va finir le jeu. Je sais pas si ça vous va. Mais en tout cas, c'est le même. Fait que là, je viens de... j'ai fait le début, la partie plate, là, où c'est que tu sauves une petite fille. Comme là, j'ai réussi à la sauver sans me suicider, par exemple. Parce que la dernière fois, j'avais pogné la fille, puis je l'avais pitché pour pas que le gars, il tombe avec. Puis moi, je tombais avec le gars. Mais là, j'ai juste réussi à gagner sa confiance. Il a laissé la petite fille partir, puis il s'est fait tirer. En tout cas, fait que là, on reprend, puis on refait tout vraiment comme il faut. Ok. Moi, tout ce que vous allez voir, je risque d'avoir déjà vu. En tout cas, moi, tout ce que vous avez vu, tout ce que vous voyez en ce moment, je risque d'avoir déjà vu. Mais inquiétez-vous pas, je vais pas vous puncher, puis je vais faire... Je vais faire comme comme si genre je viens de commencer, comme si c'était toute la première fois. Ok. Donc là on est dans un entrepôt de. On est dans un entrepôt de. Nous sommes dans un magasin de droïdes. Ok. Celui-là, vous l'avez déjà vu. Je suis encore dans le magasin parce qu'il m'avait cassé. Vous dites que vous êtes arrivé quoi déjà? Une voiture l'a renversée. Un accident stupide. Ah, je vois. Enfin bref, elle est comme neuve maintenant, sauf qu'on a dû la formater. En gros, on lui a effacé la mémoire. J'espère que ça vous va. Ça va aller. Ok. Vous lui avez donné un nom? Ma fille, oui. AX400, enregistre ton nom. Kara. Je m'appelle Kara. Ok. Là, c'est le petit moment émotionnel. Donc là, on va vraiment faire pour que tout aille bien, là. Genre, vraiment, pour que à la fin, personne se suicide ou meure. Vraiment, on va prendre les bonnes décisions, malgré qu'on n'a pas tout le temps de notre vie. Mais je vais vraiment faire mon gros possible pour vraiment que vous voyez le jeu quand tout se passe bien. Malgré que je pense que Marcus, il est pas mal obligé de devenir un déviant. Mais on va essayer de... Genre, à place de pousser le gars pour qu'il meure, on va essayer, genre... de rien faire, voir qu'est-ce qui va se passer. En tout cas, je vais vraiment comme refaire toute l'histoire avec vous. Moi, je connais les personnages, je suis déjà attaché à eux. Fait que quand tout le monde est mort, je me suis dit, je peux pas comme finir sur cette note-là. Malgré que ça m'a pris 2 jours finir le jeu, genre en rushant. J'ai presque pas mangé, mais c'est pas grave. Là vraiment. Vous allez voir toute l'histoire, tout ce qui se passe, tous les personnages. J'espère que vous allez vous attacher aux personnages autant que moi. Bref, c'est un sérieux très bon jeu. Malgré que c'est toi qui choisis tes décisions. Puis, quand tu prends pas comme du monde, ça peut vraiment mener à quelque chose de marde. Genre, tu peux tout mettre à terre en une décision. Genre... Je vais vraiment m'arranger comme pour tout faire bien. Comme Lieutenant Anderson, il maille ça au bout. Fait que là, je vais essayer d'être ami avec. En tout cas, je vais essayer de faire pour que tout est super, super bien.
Marcus. Ok. Fait que là, on se prend dans une forêt. Sérieusement, là, moi, Marcus, moi, là, dans l'autre histoire d'avant, mon personnage préféré, c'était Kara, puis Lassie. C'est-tu Lassie? Je me souviens plus vraiment. Je me mélange tout le temps avec son nom. Mais c'était vraiment Kara, puis la petite. Après, c'était Marcus. Puis après, c'était... Connor. Fait que là, on va vraiment rusher, genre. Pas vrai. Ben, pas rusher, là. On va vraiment faire bien les choses. Ok, pardonnez-moi, j'écoutais le gars, là, parce qu'il était pas mal en train de donner un punch. Bon, fait que là, on va aller chercher la commande que Carl nous avait fait. Identification vérifiée. Voici votre commande numéro 847. Ça fera $63.99. Merci de confirmer. Ok, on va payer. Paiement confirmé. Transaction effectuée. Voilà. Là, on va prendre. Ça fait trop bizarre de revoir les personnages comme ils étaient au début. Normal. Ok. Fait que là, on va aller prendre le boss. C'est qui veut ça m'avait pas arrivé ça. Regardez-moi ce petit fils de pute, tu voles notre taf mais tu peux même pas tenir debout. Ça m'était pas arrivé ça. Petit problème de batterie. Bon, pardonnez-moi, ça devrait être bon. Ok, fait que là, je me fais chavirer. T'as vu par où aller? On va te défoncer ta petite gueule. Démonte-le. Vas-y. Ok. Ouais. Ça suffit. Laissez-le tranquille. On lui donne une leçon à ce fumier. Okay. On obéit. Ok, shut the fuck up. Ok. Fait qu'on est tranquillement arrivé dans le bus. Ok, non, on a attendu un bus parce que l'autre était déjà parti. Fait qu'on s'en va dans le Android compartiment. En gros, la place où c'est que les androïdes vont.
Je vais juste faire un petit test. Ok, ouais, tout le monde m'entend. Ok, c'est en gros la place où c'est que les androïdes vont pour pas occuper la place humaine, en fond. Comme vous pouvez le voir là, c'est ça. C'est des fois je le sais là, que je suis silencieux, mais je suis comme pas mal obligé là. Comme pendant les cinématiques, je vais peut-être vous donner des renseignements ou genre juste pas parler pour vous laisser écouter la cinématique. Ok, fait que Marcus a pris le bus. Ok, c'est bon. Fait que la mission est clean. On sait pas. On n'a rien fait de grave, en tout cas, je pense pas. On n'a pas rouspété pendant. On n'a pas rouspété pendant qu'on se faisait maltraiter. Okay. Fait que là, on est avec Kara. Je stool pas encore, même si vous avez vu l'épisode précédent. Puis inquiétez-vous pas. Ouais. Là, c'est fort. Ça fait un bout de temps que t'es pas à la maison, fait que c'est le bordel. Et t'es absente deux semaines, alors y a plein de bazar. Tu vas faire le ménage, la vaisselle, nous faire le repas, et tu vas t'occuper. Ah, bordel, elle est où cette sale gosse? Alice! Alice! Lacey, Alice. Voilà, Alice, tu vas t'occuper d'elle. Les devoirs, le bain, tout le bordel. Et je vais. Oui, Todd. Tu commences en bas, après tu vas à l'étage. Mais je pense qu'avec Kara, je vais peut-être devenir déviante. Ok, là on va ramasser. On va sortir les déchets, j'imagine, ouais. Tant qu'à rire, là. Ok, fait que là on va vraiment essayer d'écouter, genre vraiment écouter nos maîtres. Ok, je sais pas pourquoi je pouvais regarder là. Ok, on va ramasser la vaisselle.
l'autre il fume son pote. Ok, fait qu'on fait les tâches dans le fond. Ok, fait qu'elle a commandé la fois. Du coup, on va juste laver tranquillement. J'espère qu'on va pas faire ça pour toutes les assiettes. Alice. On lave. Hop. Gare. Oui, Todd. File-moi une bière fraîche. Tout de suite. Oh putain. Il ne dira pas merci. Donc là, on fait vraiment tout. Ok, la vaisselle est faite. Ok, on va aller inspecter le jardin. On va ramasser, j'imagine, le linge. Il n'y a rien d'autre à faire. La drone. Lacton Paradise. Tu devrais pas fouiller dans mes affaires. Ça risque de m'énerver. Je suis désolée, Dan. Ne mets pas ton nez dans mes affaires. Sauf si tu veux me mettre en rôle. Tu veux me mettre en rôle. What the fuck? Ok, je fais juste mes tâches puis j'ai tombé là-dessus. Ok. On a sorti la poubelle et allumé l'aspirateur. You are l'aspirateur. Je veux juste voir la petite. Quelle jolie peluche. Comment elle s'appelle?
L'aspirateur, where it is. Ah. On va ramasser ça. L'aspirateur est là. Là, on va aller. Oh, oh, oh. J'ai bien avancé ici. Je vais aller voir. Fais ce que t'as à faire, mais arrête de me bouffer. Ok. Mais dégage de là, putain! Désolé, Tom. Ça ne se produira pas. J'ai quasiment le goût de le refaire. Non, on le refera pas. Ok, fait qu'on va monter. On va faire son putain de lit de merde. On va juste faire sa chambre. Pardonnez-moi hein, pour le bruit, le petit bruit de fond, là, j'imagine. Je vais aller checker sur le live, c'est quand même fort. Là. Mais c'est à cause que c'est à canicule. J'ai besoin d'une femme. Ok, ça je pense que vous êtes toléré ça, hein, mes petits gamers. Celle-là. Hein? Je pense que c'est pas la pire affaire. Hein? Ok, on va fouiller. Oh, yo, what's up? Je sais pas, t'es qui. Mais en tout cas, je recommence le jeu là parce que j'avais fait de la merde là, pis ça avait mal fini. Fait que. Bienvenue en tout cas sur le live. Ok, fait que là, on a tout fait ça. Il sort. Va donc chier tout. Ça, on va aller laver la salle de bain. Au moins, il nous coupe les images. On va aller là-dedans. Non, on va aller faire la salle de bain avant. Mais avoir un droïde de même, j'en voudrais un. Si tu fais le ménage en 2-2. Ok. On va aller voir Alice.
Ok, d'après moi, on a comme pas le choix de s'échapper avec Alice. Mais nous, je veux le faire comme. Parce que Alice pis Kara, c'est juste une trop belle histoire. Genre, vous allez pas comprendre, mais tu t'attaches juste trop au personnage. Bon, là, on a-tu tout fait? Tu t'attaches juste trop au ranger la chambre de Todd. J'ai pas tout fait. Tu t'attaches juste trop au personnage. Puis après ça, tu sais, t'es triste comme. Ok, ça on s'en fout. Ah oui, fallait arrêter. That's right. Surtout que moi, j'étais une personne très sensible aux enfants qui se font maltraiter. Fait que j'aime juste pas ça, là, voir quelqu'un, une petite fille se faire maltraiter. Bon, c'est fait. Parler à Alice. Fait que là, on va aller déverrouiller la petite boîte que ça tombe. Désolée, je réglais mon son, j'entendais pas comme il faut. Fait que là, on voit qu'elle se fait maltraiter. Là, on voit que c'est son père qui nous a cassé. Effectivement, il faut prendre soin des détails. Tu crois que j'ai pas cherché des solutions?
Quoi que je fasse, il y a toujours quelqu'un qui se pointe et qui fout tout en l'air. Je sais ce que tu penses de moi. Tu me détestes. Tu me détestes, pareil. Dis-le! Tu me détestes! Oh mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis désolé, ma puce, je suis désolé. Je suis désolé. Tu sais que je t'aime, tu sais. Tu sais que je t'aime. Of course. Ok. Bon, un autre affaire de faire. Là, j'imagine on va revenir sur Connor. Si c'est... Ah non, ça revient sur Marcus. Exact. Je pensais que ça pourrait être sur Connor, mais bon. Marcus ne me dérange pas. On va déposer le paquet. S'occuper de Carl. Bye.